lutter. C'est pas vrai, je peux nous sortir de là. T'auras jamais assez de thunes pour ça. Hé, vous, mon connard de copain a ma canne à pêche, et il veut pas me la rendre. Aidez-moi à la récupérer, d'accord? Vous avez des armes, non? Allumez un peu ces affaires, histoire qu'il flippe un peu. Bousillez sa guitare! Bien dit. Attention, mais Dylan est mieux que Skylar. C'est pas le mec le plus intelligent du monde. Oh, putain de merde. Ah, pas la pièce. C'est de la fille d'âme de toute façon. Salut. Salut ma belle. Ok. Ça va. Tiens, prends-les tes merdes. Et viens pas me voir en pleurant quand t'auras la tête au cul. Putain, avec tout ce que fait la secte dans les parages, j'arrive pas à croire qu'il pense qu'il peut s'en tirer en rejoignant ce club de psychopathes. Merde, Jess. Oh, il comprend vraiment rien. Je fais tout pour qu'on puisse s'enfuir. Il y a un énorme poisson qu'on appelle l'amiral, et celui qu'il pêchera décrochera le gros lot. Si je le chope, on pourra se barrer de ce trou à rats. Dylan est vraiment un crétin. Oh, j'ai besoin de me détendre un peu. Pour moi, il y a que la pêche qui marche. Ça vous dirait de venir avec moi? J'ai besoin de compagnie. Et puis je pourrais vous apprendre des trucs. Le master bait de Dylan. Sur le coup, il devait être fier de son idée. Avant, je venais pêcher ici avec des potes du lycée. Des glacières remplies de bière et un bateau. C'était la belle vie. Mais ils ont tous disparu. Soit ils ont rejoint Eden's Gate, soit... Bah, vous savez. Dylan et moi, on est les derniers. Ici, c'est Widow's Creek, un nom charmant. C'est parce qu'une femme y a noyé son mari. Faut dire aussi, il l'a trompé, donc il l'avait un peu cherché. Enfin bref, vous voyez ces moucherons? Cette éclaboussure? Ça veut dire qu'il y a des poissons à attraper. Hé, hey, vous avez une canne? Tentez votre chance. Les illuminés tirent sur tout ce qui bouge. C'est le Montana. À partir des trucs, on va faire quoi? C'est sympa ici, ça m'apaise. Dès que je suis au bord de l'eau, je découvre ce qui se passe dans le reste de la région. Enfin, pendant un temps. Il y a pas mal de gens qui se plaignent de manquer de munitions. Mais merde, ils ont qu'à chasser à l'arc et fabriquer leurs flèches. Voilà, cassez pas la ligne. Je m'inquiète pour vous. Doucement, jusqu'à ce que vous ayez ferré, puis fatiguez le poisson avant de le ramener. Belle fille. Hé, hey, vous êtes doué. Les survivalistes qui se prennent pour des vieux. Moi aussi, je me débrouille toute seule. Je passe pas mes journées à me toucher la nuit. T'as vraiment pas eu une enfance facile. On va y passer la journée. Waouh, une vraie beauté. Vous en avez ferré un gros. Il est beau, mais ça vaut pas l'amiral. Une vraie légende, celui-là. Il aurait tenu 200 ans à ce qu'on dit. Et toutes ses dents pour mordre. Il y a une récompense à la marina de Drummond pour la personne qui l'attrape. Et ça sera moi.
Cet argent, c'est notre moyen de filer d'ici. Merde, il a sectionné la lune. Sans Jacob, je sais pas où je serais aujourd'hui. Sûrement acheter des trucs, mais pas des cinglés. Ouais. Vous commencez à vous débrouiller. Entraînez-vous et peut-être que j'aurai de nouveaux conseils pour vous. Et merci d'avoir écouté mes histoires. Des fois, c'est sympa de pouvoir déballer ses problèmes. Pas vrai? J'étais guide de chasse à l'époque, avant qu'on se fasse envahir. Bon, allez. La chasse au fusil, c'est de la chirurgie de pointe à coups de massue. Les vrais... En avant toutes. Vraiment. Je vais faire de mon mieux. C'était un jeu d'enfant. Skate nous interdit de chasser, il n'y a pas rien à foutre. Je mange n'importe quelle viande, sauf celle des cinglés. Ok, coin ici. Comme si c'était fait. Je vois ce que je peux faire.
Je suis en position. Compris. Je m'en occupe. La bouffe de Tchad est correcte, pour du cerf écrasé. Les survivalistes ici, c'est des gros cons. Même ma grand-mère s'y connaît mieux. Je vais faire de mon mieux. Surveille la route, je m'occupe du reste. La meilleure façon de prendre soin de ses affaires, c'est d'en avoir aucune. T'as vraiment pas eu une enfance facile. Si on voit une patrouille, tu la fous dans le fossé, ok? Merci. Je préfère tuer. Je suis prête. Arrête cette tas de merde, je veux descendre. Je te suis.
ces dégénérés seraient pas capables de se servir d'un arc. Ouais. Il va nous falloir leur nom à tous pour prévenir leur famille qu'ils vont bien. À condition qu'il leur en reste une. C'est quand même dingue. Les tarés pillent nos baraques, mais il n'y en a pas un pour trouver un rasoir. Faut toujours prendre soin de son matos. Ces tarés ont eu ce qu'ils méritaient pour avoir enfermé ces gens. Enfin repris nos terres, Eden's Gate. Mais merde, ils ont qu'à chasser à l'arc et se fabriquer leurs flèches. Merde, Jazz, bien d'accord. J'y crois pas. C'est pas terminé tant que tous les fanatiques sont pas 6 pieds sous terre. Doit en rester quelques-uns qui se planquent. Il va nous falloir leur nom à tous pour prévenir leur famille qu'ils vont bien. À condition qu'ils leur en restent. On respectait tous énormément Ellie. Et c'est toujours le cas. La milice des Whitetails va continuer de bosser. C'est ce qu'il aurait voulu. C'est toi, ce fameux officier, pas vrai? Content que tu sois avec nous.